Quelle belle surprise. Ça me fait plaisir de te voir, Benoît. La dernière fois que je t'ai croisé, ça doit remonter à l'époque où j'étais encore au conservatoire. J'avais loupé mon examen de fin de deuxième cycle. Les enfoirés, ils avaient enlevé les touches noires sur le piano. Il ne restait plus que les blanches. Cette année-là, j'ai aussi loupé mon examen d'ingénieur. Ils m'avaient convoqué à une mauvaise date, les salopards. De toute manière, à cette époque, je faisais peur. Tout le monde voulait m'éliminer. C'était clair, je dérangeais, je savais des choses. Je me rappelle que le jour même de mon examen de piano, j'étais campé avec un pote en stop, direction l'Espagne. Et là, j'ai vécu une histoire de fou, un plan de dingue. Tu sais, Benoît, c'est pas facile à raconter tellement c'est rare ces histoires. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais raconté. Alors écoute, j'étais à l'arrière de la voiture et je sentais le chauffeur qui m'épiait dans le rétro. Mon pote qui était devant, enfin je croyais que c'était mon pote, il est devenu complice avec le chauffeur. Tu le sens ce genre de choses quand quelqu'un te veut la peau. Et là j'ai compris que ça pouvait devenir chaud pour moi. Alors sur l'aire d'une station de service, j'ai pas eu le choix. Je me suis extrait de la voiture et j'ai couru pour me dissimuler dans un fourré. J'ai aperçu le chauffeur et mon faux pote qui sont descendus de la voiture. Et là j'ai compris. Il portait une casquette. Dessus était inscrit en gras Interpol. Tout le monde allait rappliquer et ça n'a pas manqué. Des fourgons de keufs et des hélicos qui tournaient au-dessus de moi. Ils me cherchaient, je savais des choses, j'avais fait quelque chose qui les rendait fébriles. Mais je me rappelle plus, tout ça, ça s'oublie, c'est plus d'aujourd'hui. Mon seul échappatoire, ma seule chance, c'était de changer d'identité. Ils se rapprochaient du buisson dans lequel j'étais, ils refermaient les taux. Alors j'ai crié très très fort. Je ne suis pas celui que vous croyez, je m'appelle Jessica. Je m'appelle Jessica. Quelle idée de génie j'ai eu là. Avec un prénom de fille, je ne pouvais pas être un homme, et donc pas celui qu'il recherchait. Et ça a marché. Ah, ils étaient confus. Pour s'excuser, ils m'ont proposé un lit de camp dans un fourgon dans lequel j'ai pu me reposer. Ils m'ont présenté une psychologue. J'ai pas vraiment compris pourquoi. En tous les cas, tout s'est arrêté ce jour-là. Je n'ai plus jamais été emmerdé. Tout ça grâce à Jessica. C'est dingue, non? Ben depuis, c'est paisible. Ah, ça me fait plaisir de te voir, Benoît. Allez, viens, je vais te montrer ma chambre. C'est pas tous les jours qu'on est ensemble. Tu vas voir ma chambre, c'est le numéro 31, comme le numéro de mon département. Tu vas voir, Benoît, ma chambre, elle est bien rangée. Je l'ai rangée ce matin, je l'ai rangée à midi, et je la rangerai en fin d'après-midi. Et aussi juste après minuit, dès que la dame m'aura donné le cachet. Ah, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu quelqu'un. Ça me fait chaud au cœur. Ah, ça me fait plaisir. Tu reviendras, hein, Benoît? Allez, dis-moi que tu reviendras.